Salutations. Nous sommes le Conseil Arthurien et nous sommes heureux de communiquer avec vous tous. Nous revivons des expériences de notre passé collectif, des expériences que nous avons vécues dans des corps physiques et dans des plans dimensionnels plus denses. Car nous voulons marcher dans vos traces du mieux que nous le pouvons. Nous voulons vous aider. Et pour vous aider, nous devons comprendre qui vous êtes et d'où vous venez, ce qui vous motive et ce qui vous illumine. Il serait bien que vous adoptiez cette approche envers les autres humains, en particulier ceux dont vous voyez clairement qu'ils ont besoin de votre aide, car il est impossible de savoir exactement ce que quelqu'un d'autre traverse, ce qu'il vit, sans se mettre à sa place. Vous pouvez alors faire de votre mieux et faire preuve de beaucoup d'empathie. En faisant de votre mieux, vous offrirez le meilleur de vous-même à vos semblables, tout comme nous essayons d'offrir le meilleur de nous-mêmes à vous tous. Vous nous apportez tant de joie parce que vous nous donnez l'opportunité d'aider, d'assister, de transformer chacun d'entre vous. Nous voulons vraiment que vous ressentiez cette même joie. Et nous avons donc pensé vous donner l'information sur la façon dont nous vous connaissons tous. Lorsque vous voyez quelqu'un avec qui vous trouvez qu'il est très difficile de s'identifier, voyez si vous pouvez vous souvenir d'un moment de votre vie où vous avez traversé ce que cette personne traverse. Utilisez alors toutes vos compétences et capacités pour établir des relations avec vos semblables, afin de pouvoir mieux les servir à votre tour. C'est ainsi que vous changerez votre conscience. Ce ne sera pas par l'exclusion, mais plutôt par l'inclusion que vous atteindrez un niveau supérieur de conscience. Vous devez voir tout le monde en dehors de vous comme une partie de vous, une pièce du puzzle qui est en vous et qui doit être ramenée dans le tout, dans le centre, dans la totalité de qui vous êtes. Les tentatives qui ont été faites tout au long de l'histoire pour vous diviser et vous amener à vous déshumaniser les uns les autres, se poursuivent, certes, et elles sont même amplifiées en ce moment. Alors, vous pouvez ne pas tomber dans ce piège, pas si vous voulez aller là où vous êtes destiné à aller en temps opportun et dans la joie. Nous savons que vous êtes impatients de compléter ce saut d'ascension. Et nous vous remettons le manuel d'instruction dès maintenant par cette transmission. Vous devez être capable d'aller à l'intérieur de vous-même et de trouver la paix intérieure, puis de regarder à l'extérieur de vous et de maintenir cette paix lorsque vous traitez avec un autre être humain,
qui est inconscient qu'il a un traumatisme qu'il doit guérir. C'est là que vous intervenez en tant que membre du collectif éveillé. Vous devez aider, guérir et offrir toute l'assistance possible à quiconque se présente dans votre vie au quotidien. Ce sont vos missions et tout ce dont vous avez besoin pour accomplir celle-ci est l'amour, la compassion, le pardon et le désir de vous connecter. Et nous savons que chacun d'entre vous a ses ingrédients en lui. Nous sommes le Conseil Arthurien et nous avons apprécié communiquer avec vous aujourd'hui. Nous vous remercions infiniment. Merci.